Bienvenue, on est reparti. On a toujours ce contenu bonus. Mais c'est une quête, apparemment, il faut avancer dans l'histoire. Mais bon. Avancer, genre, comment dans l'histoire? Genre, finir le jeu 4 fois? Comment ça se passe? Enfin, bref, nous sommes repartis. Donc, la dernière fois, on avait donc commencé le. Bah, ici. J'avoue qu'on a passé un bon moment au début, parce que c'était découverte et tout. Puis après, au bout de 30 minutes, ça nous a gavé, parce que c'est chiant. Donc. Bon, ok. Donc on va essayer de passer un meilleur moment. Voilà, on va dire que c'est compliqué de se déplacer ici. C'est très compliqué. Enfin, c'est compliqué, non, c'est pas vrai. C'est que c'est long. C'est que c'est très long en fait de se déplacer ici parce qu'on a, des vents froids là comme ça, là on les voit. Des vents froids en fait qui zappent notre énergie, donc on peut plus planer, plus rien faire, on peut même plus double saut ou s'accrocher. C'est un peu une catastrophe. Donc j'avoue que c'est un tout petit peu relou. Il y a un coffre. J'avoue que c'est un tout petit peu relou, ça rend la chose un peu compliquée, long, chiante, relou, emmerdante, chiante, et les bords. Et les bords. Portant le nom d'une plante toxique censée guérir la folie, et les bords est une vision rare dans les forêts de l'île d'or. Ça rime en plus. On a. Ouh là là. On a des trucs, mais c'est en contrebas. Non, mais attends, j'ai pas envie, moi. Je vais être honnête, j'ai envie d'aller au sommet. Donc, on va continuer en fait notre ascension. On va faire tout ce qu'on trouve sur le chemin, je suis d'accord. Mais. C'est ça que je vais faire. Pourquoi j'ai fait le. J'ai refait encore une fois le. Enfin, c'est pas grave, on s'en fout, tout le monde est mort, on s'est pas fait toucher. Mais ouais, non, on va pas aller chercher en fait les choses. Parce que je voudrais tout simplement monter, faire l'ascension, parce que déjà l'ascension elle a l'air vraiment bien relou. Ah non, elle a pas l'air, elle est complètement relou. Donc ouais, je vais pas redescendre. On finira la zone plus tard, comme d'habitude. On a souvent fait ça où on avance dans l'histoire au bout d'un moment et après on finit une fois l'histoire finie. Genre là. Là on a un truc. Ah, bah voilà. Nickel. Coffre là-bas. À la limite, ça on peut le faire parce que c'est pas trop bas. Puis en plus, c'est vers le centre, donc ça va. On va d'abord faire le coffre. Là on a quoi? On a encore un coffre, mais. Celui-là il est en hauteur. Eh ouais, mon bouclier est plus solide que ta charge.
What? Oh mon dieu, tu vas y aller. Là-bas, on a un chemin. Alors, on peut voir le coffre. En théorie, on peut le monter. C'est fun la montagne. Oh là là, qu'est-ce qu'on s'amuse. Ok. Coffre là-bas, on sur la gauche le voit. On voit la lumière. Ah, faut pas y aller. Tant que ça monte, hein, bon signe. Par là ou on va dans le mauvais sens là, je sais pas honnêtement. Parce qu'on a un chemin aussi, enfin qui est prêt, il y a un vrai chemin, mais... Des fois ça monte, des fois ça descend. Ok, là on est de retour là en fait. Parce que des fois il y a des morceaux d'histoire qui se déclenchent, on entend Zeus qui parle et tout, donc il faut trouver ce chemin là en fait, où, qui est bien fait quoi, qui est bien créé. Par contre, là c'est du... Là jamais je passe parce que là il y a du vent. Enfin il y a du froid pardon. Donc je crois que c'est par là-bas en fait, je crois qu'on l'a pris à l'envers. Ah parce que là si je... Si je saute là c'est la mort. Ça va être la mort là. On va aller dans le sens inverse. On va aller dans le sens inverse, on va voir. Une faille, un coffre. Ça c'est trop... Qu'est-ce que je fais? Merde, pardon. Je me suis emmêlé dans les touches. Ça va y crever, ça va. Y'a quoi là? Y'a rien. Allez, la monture. Attends, là on redescend. Est-ce qu'on redescend pour remonter? On revient vers la statue. Okay. J'ai un doute. Putain.
J'ai un doute hein, sur... sur notre chemin là. Je pense que ça c'est en fait peut-être le chemin normal. Donc là du coup on arrive à la statue. Donc maintenant il faut continuer. On a les potions, on n'en a pas besoin. Là on a ça. Ok. Ça va au moment. Cristal, on s'en fout. Non, on s'en fout pas. Ça sert à rien. Pourquoi je le prends? Je sais pas. Suivre les torches, peut-être. Suivre les torches. Ok. Glagla ou pas glagla? Glagla. C'est vrai que l'eau elle doit pas être froide du tout. Ouh, c'est quoi cet éclair? Qu'est-ce qui se passe? Wow! Typhon essaya d'empêcher Phoenix de rejoindre le sommet de la montagne. Ne le laisse pas t'arrêter, Phoenix! Allez! Tu peux y arriver! D'accord, merci. Ah, y a plein de trucs à faire. Oh là là là, endroit de merde. C'est où le... C'est là. On marche. On va d'abord se faire les bestioles. Ok. Sans déconner. Ah là. Un cristal, donc après il y a celui-là à débloquer. Je
Je vais dire un truc con, hein, mais je me demande s'il faudrait pas que... J'augmente la luminosité du jeu. Je suis en train de me demander ça maintenant. Mais bon, après, une fois qu'on est dans une salle, on voit tout. Hein. Donc, Ok, très bien. Alors, en fait, c'est très clair quand on sort, et après, c'est très sombre quand on rentre. Pour faire l'effet d'éblouissement. C'était où? C'était là, je crois. Il en faut encore que 3, ça va. Attends. Qu'est-ce que je fais? Un coup de marteau dans l'eau? Comment tu veux que je... Faut enlever l'eau? Je suis censé enlever l'eau, moi. Ah! Je me mets sur le pilier et je les attire, les rochers. Quel con. Ah, moi, je cherchais un moyen super compliqué. Tu vois. Ouais, j'étais là en train de... On va faire un trou pour vider l'eau. On va... on fait un coup de marteau, l'onde de choc, elle touche les cailloux dans l'eau. Enfin voilà, oh, moi j'étais parti, je sais pas où. Fait ce côté, je sais qu'on a tué les gens, mais je crois pas qu'on ait... Non, on n'a pas fait. J'imagine que... Caillou quelque part. Non. Un rocher, quelque chose... Ah, de ce côté-là peut-être. Là-bas, ça. Let's go. Hop là. Bien joué. 10, 121. Lâche, 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 merci.
Bon. Alors, attends. Je détecte des choses, donc on va devoir faire un peu le tour. Non. Que le coffre est là. Juste au-dessus. Il est dans la paroi. Enfin, dans la paroi. Hein, vous avez compris quoi. Genre il est là. Comment on y va? Alors, comment on y va? Au-dessus de nous, là. Ah! Ah! Trop de festivité aurorale. Là, on a une ambroisie. Non, c'est pas celle-là. Ok, tout en haut. Ça va être relou de monter le géant là. Ah, peut-être pas. Comment ça s'appelle? Une bénédiction. Voilà, une bénédiction qui pourrait être vraiment pas mal. Ce serait notre endurance qui revient beaucoup plus vite. Deux fois plus vite. Ah putain, il est là. Je trouve. Ça pourrait être une très très bonne bénédiction. Je pense qu'on peut... Ah tiens, on peut aller là. Je pense qu'on peut avancer. Y a rien là? Ah si, un puzzle. Regarde, c'est une statue de ton père, Chronos. Eh ben voilà un autre de mauvais père. Presque autant que moi. De te dévorer quand même. Et ma mère, Rhea, lui a donné une pierre à la place. Je me demande si elle a bien fait. T'as peut-être raison. Ah ok. Carrément. Non, ce que je veux dire, puisque tu en parles,
Cette statue devrait peut-être avoir une pierre dans la main. Il essaie de le dévorer. Donc il y a bien, il y avait bien un bloc. Alors, mais qu'est-ce qu'on en a à faire? On en a à faire que là-bas. Mais nous, on en... Comme ce que je viens de dire, qu'est-ce qu'on en a à faire? Est-ce qu'il y a autre chose? Je dis pas qu'il faut la pierre. Je crois qu'il faut la pierre. Ah, la pierre, c'est pas une pierre, mais vous m'avez compris quoi. Quoique, peut-être pas. Si. Allez, te fatigue pas, faut y aller. Non mais... Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est censé représenter Zeus. Je crois. C'est quoi là? Ah, ça c'est l'autre pierre. Ouais. En fait, on n'avait pas besoin de... Ouais. On n'avait pas besoin d'aller chercher l'autre. Ça m'aurait étonné aussi qu'on ait besoin de la chercher, mais bon, moi je l'ai fait parce que... Parce qu'on pouvait, quoi. Parce que je l'utilisais pas. J'ai vu que j'ai utilisé mon double. S'il t'avait dévoré, Déméter, Hestia, Héra, Hadès et Poséidon seraient tous dans son ventre à l'heure qu'il est. Oui, tu les as sauvés. Oui, enfin, je les ai surtout condamnés à l'immortalité à côté de moi. Je me demande ce qui est pire. Hadès, il t'aime. Oui, il m'a donné 2 amphores de vin à rapporter chez moi. C'est ça l'amour? Phénix approcha de... Ce n'est peut-être pas le bon moment. Vas-y, dis-le, de la tour de Métis, mon ex-femme est la mère d'Athéna, que j'ai dévorée vivante. Waouh. Je l'ai déjà dit, mais je suis vraiment atroce, comme mon père. Tu pourrais peut-être en parler avec lui. Créer un lien père-fils. Oui? Non? Prométhée, je l'ai jeté en prison. Eh ben. Ah ouais, d'accord. Attends, attends, c'est où qu'on monte? Sans déconner, quoi. Go! Phénix n'abandonne jamais. Je l'admire pour ça. Qu'est-ce que tu as en tête? Rien. Laisse tomber. Hmm.
des éclairs de ma forge pour réchauffer ton trajet. Merci, Héphaïstos. Quand je pense que ça fait une éternité que j'attends la lance à pointe de diamant que j'ai commandée... L'inspiration ne vient pas sur commande, Arès. Mais toi, oui. C'était une expérimentation privée sur le comportement animal. Et c'était la dernière fois. Quoi ? C'est quoi ça ? Ok, c'est déjà allumé. Genre, est-ce qu'il y a quelque chose ou... Je crois qu'on est déjà allé, c'était pas une ambroisie, je crois que c'était la dernière fois. Non, ça marche pas. Mais ça sert à quoi ça? C'est juste pour nous montrer le chemin en fait, je crois. On est d'accord, hein. Ouais, la prochaine fois on prend un avion. Hein. Enfin non, moi non plus. Non, moi c'est fini. Ça. Trop pris pour rien en plus. On se téléporte pas, hein. je le garde en mémoire et puis basta. Hein. C'est tellement la merde. Vas-y, répète. 3, 4, 4, 2. Voilà. 3, 4, 4, 2, 3. Ok, nickel. Ça descend. Okay, cool. Bien joué, cheval. Ça descend, c'est pas très... Je sais pas. On l'a déjà fait, ça. C'est non, mais bon. On est tellement passé par n'importe quel endroit que... Je sais pas, on monte, on descend. Mais bon, tant qu'on fait des aventures, ça passe, hein. Lui, il voulait plus combattre. Lui. Donc ça, on l'a fait.
Genre on passe par là maintenant, ou alors c'était le coffre? Non, là c'était le coffre. C'est pas très très clair, hein. C'est le moment où je pleure ou comment ça se passe ? Je crois qu'on est redescendu. Qu'est-ce que j'ai à pas suivre le chemin, moi ? Attends, est-ce que si on fait ça, ça nous aide ? C'est vrai que je l'ai désactivé parce que c'était chiant en fait sur la map. Mais non, mais ça aussi c'est un puzzle qu'on a fait. Aïe aïe aïe, putain de merde. J'ai un ras-le-cul. J'en ai ras le cul. Est-ce qu'on peut se téléporter ? Sanctuaire de Métis. On va peut-être se remettre là. Aïe 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 aïe, désolé, on tourne un peu en rond. Enfin bon, après on fait des choses, hein, mais bon là par contre, depuis 5 minutes là, un tout petit peu paumé. Ok, donc. C'est par là, du coup, parce que l'autre machin, Héphaïstos, il a allumé la torche. Il y a un coffre en bas ou on l'a ouvert ? On l'a ouvert. Voilà. Ah, il a aussi allumé une torche là. Merci poteau. Alors maintenant, voilà, on revient là du coup. Là, ça retombe. Et c'est là qu'il c'est pas bon. Alors est-ce que... C'est par la torche. Je veux bien, moi, aller en face, mais... Voilà. Maintenant, on fait quoi ?
Attends, il y avait un endroit qu'on... Est-ce qu'on peut arriver jusque à là, là? Ou pas? Ça me gonfle. Mais là, c'est mort. Alors, monsieur a allumé une torche. Qu'est-ce qu'on en fout, en fait? Putain, merde, quoi. Est-ce qu'il y avait un passage, genre, juste à côté, que j'ai pas vu? Parce que maintenant, le bâtiment entier, en fait, il est chauffé. Grâce à sa torche. Enfin, non. Pas le bâtiment entier du coup. Et ça sert à quoi ça? Il n'y a pas de lumière bleue du tout. Qu'est-ce que... C'est pour faire quoi? Trop loin, je crois. Non, mais c'est débile. C'est moi qui suis débile. J'essaye de voir, de me repérer s'il y a quelque chose à prendre, mais je vois que dalle, hein. Là, ce pont, on l'a pris ce pont ou pas? Ça devient débile. Par contre, ça, dans un jeu où tu peux t'agripper à tout et n'importe quoi... Il fallait peut-être faire en sorte que le chemin soit un peu plus visible.
parce que je peux m'accrocher n'importe où. Donc le chemin, je peux le zapper facilement, quoi. Bon, bref, allez. On va être un bon petit soldat. Voilà, regardez-moi ça. Oh, il a allumé la torche. Nous, on va là. Donc, du coup, là, c'est pour revenir sur nos pas. C'est pas ça. Donc, bon petit soldat. On suit le chemin. Ah, attends, peut-être qu'il faut aller là. Non, ça, c'est la harpe. Il est déjà allé. Est-ce qu'il faut monter après la harpe ? Je dirais merde. Ah. Donc on est reparti. Bon petit soldat. Alors, oh, monsieur Héphaïstos, il a allumé la torche. Oh là là, mais c'est gentil, monsieur. Voilà, c'est bien. Regarde, on redescend, c'est trop bien. Merci Héphaïstos. Pour nous induire en erreur, merci beaucoup. On remonte là, on l'a déjà fait, mais c'est pas grave. Pas grave, j'aime perdre mon temps. J'aime perdre mon temps. Là. Oh putain, Phoenix, commence pas à me gaver. Putain, j'avais dit que si on allait de. On allait faire en sorte que ça se passe bien. Ah putain, mais regarde-moi ça. J'ai un peu. Plus on avance et plus on s'éloigne, quoi. Là-bas, ça monte. Ouais, mais non, mais ça monte nulle part en fait. Suivons les torches. Putain de labyrinthe de merde. Là, je suis sur le chemin de la descente, là. Je me demande si on l'a pas pris à l'envers, encore une fois, le chemin, en haut, quand on était au sanctuaire, là. De métis, là. J'ai continué à tromper. Ce que je voulais, moi, c'était m'amuser. Je n'ai jamais voulu être père. Je n'ai jamais pensé qu'à ma pomme. Ah, est-ce que ces chaînes me font mal? Non, mais ça t'ennuie qu'on parle de moi deux secondes? Bon. Il y a eu de la parlotte, donc c'est bon signe. Soudain, oh, une perle roula. Quoi ? Phoenix se demanda si les huîtres, ça se dissimule et... Prométhée, s'il te plaît, arrête. C'est nul. Tu n'as aucun talent comique. Alors oui, tu as fait rire deux, trois Pékins sur la place du marché, un camarade de classe et puis tonton Michel quand il passait pour Noël. Mais tu n'es pas... drôle. Ah bah du coup, oui. Je me sens mieux maintenant.
Là, on dirait Kaamelott, quoi. Tonton Michel. Bon, c'est bon, on a retrouvé notre chemin. Enfin, je crois. Si on le prend dans le bon sens. Bon, la perle, du coup, on s'en fout. Je sais pas, on s'en fout alors. Mais je vais être honnête, je m'en fous. J'espère que Zeus fera de moi un dieu complet. Achille à nos côtés, nous allons gagner. Achille ? Attends. C'est pas Achille, hein. Après avoir fait typhon, je vais m'occuper de toi. Je plaisante. Sérieusement. Ça va pas, en fait. Genre, pourquoi Achille ? Tu crois qu'il est meilleur que moi ? Je l'ai défoncé, Achille. Enfin, non, on l'a pas défoncé. Bref. C'est toi la personne avec des ailes dont on nous a parlé ? Oui. Et vous voyez, j'avais dit que le jeu il faisait tout très bien. Il fait tout très bien. Mais j'avoue que là c'est devenu une petite purge. Nous qui allons mourir ferons tout pour survivre. J'avoue que c'est un peu devenu une purge ici. Mais bon, on va y arriver, hein. Alors, où est-ce que tu veux que j'y aille maintenant? On a un coffre qui doit être en dessous, qui est juste en dessous. J'ai pas vraiment envie... descendre. Je crois qu'il faut juste suivre le pont cassé. Oh mon dieu, oh mon dieu. C'est bon. C'était limite, hein. Oh, putain, c'était limite. Là, j'estime, j'imagine que c'est un endroit qu'on a déjà fait. Quoique. Salut! On l'a fait ça ou pas? Je crois que les torches elles restent allumées quand on a fait un truc, non? Ah, je crois que c'est torche par torche et on arrive à la fin. Je crois qu'on l'a fait ça, si je me rappelle. Non, on l'a fait. Bon, on l'a fait genre tout en fait. Ah, là-bas il y a une porte.
Ah mais casse-toi. Ah putain, chaque fois. Là, c'est la post-potion. Damn, on a déjà fait tout ça, quoi. C'est tout dans le désordre, c'est ouf. Incroyable. Pas tous les effets. Il y a un truc sous l'eau. Nickel, nickel, nickel. Progression, progression. Attends, il y avait un coffre. 220 mètres en saut. Feu, torche, torche, feu. Mon puzzle favori en plus. Ah, c'est bien. C'est bien. Alors... Ça c'est en bas ou en haut? Ça c'est en bas je pense. Ça c'est en bas à droite. Ça c'est en haut à gauche. On va passer celui-là. Je crois qu'on est bon. Je sais pas où ça va, ça. Quoi ?
Ah, en haut, putain, je suis con. Okay. Ça va. Oh non, pas l'Icaron. Ce type a essayé de me faire manger de la chair humaine. Alors je l'ai transformé en loup et j'ai tué ses 49 fils. J'ai fait pas mal de saloperies, mais le cannibalisme, non. En revanche, le meurtre et l'inceste ne t'ont jamais gêné. La vie, c'est des priorités. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Non, mais faut tous les massacrer, en fait, c'est dur. Faut tous les massacrer, hein. Ils sont cinglés, hein. Devant elle, Phoenix remarqua une représentation élaborée de la roue enflammée du roi Luxion. Oh oui, le roi que j'ai attaché pour l'éternité à une roue ardente parce qu'il avait essayé de séduire ma femme. Tandis que moi, je couchais avec tous les mortels qui me faisaient envie. Quel hypocrite je suis. Tu oublies que c'était aussi un meurtrier. Naturellement, c'était le fils d'Arès. Et voilà, je viens encore d'insulter Arès. C'est pas vrai. On va où là? Oh, là. Quand Ixion a courtisé Hera, tu l'as dupé avec une nuée, c'est bien ça? Oui, j'ai trouvé ça marrant. Mais irresponsable. Il est né de cette union un enfant difforme, rejeté par tous les mortels et qui n'a trouvé la paix qu'auprès des juments. Avec lesquels il s'est accouplé d'ailleurs. Il est mort tout seul et tout triste. Encore plus d'effets, encore plus d'effets. Vas-y, vas-y, plus vite, plus vite, plus vite, plus d'effets. Plus le bordel. Voilà. Au moins, ces juments ont donné naissance aux centaures. Des hybrides hypersexualisés à pas savoir si on doit vomir, être excité ou s'enfuir. Merci bien. C'est comme ça qu'ils ont été créés, les centaures, ben putain. Eh mais faut un jour... faut que j'aille regarder en fait toutes les histoires des dieux grecs hein, et tout, hein. C'est n'importe quoi. Hein. Parce que bon, on parle des. Genre des récits. Non, toi t'as l'air trop bas en fait, j'ai pas envie d'aller te prendre. Ah, elle est là sa roue en feu éternel. J'ai bien envie d'aller le récupérer, mais je crois que pour remonter ça va être la galère, non? Ah, quoi que... Si, ça va être la galère, je regrette maintenant. Mais non, mais si toutes ces histoires là, si elles sont vraies, enfin vraies, hein? Hein? Vous avez compris pourquoi pas vrai, mais... Mais ça a l'air fun en fait à lire. Bon, mais arrêtez! Tu m'as gavé avec ton lance-flamme de merde. Quoi. Pute.
Ah, le coup de figé, c'est marrant quand même. Que ça vienne de, des flèches ou du, de l'oiseau et tout. Ouais, non, on est bien là. On est bien, on est bien. Flagman the moon, minuit. Dis-moi qu'on a tout. 8, il en manque 2. Yes, on n'y arrivera jamais. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et ben maintenant. Et ben maintenant, on remonte. C'est drôle. Oui, c'est drôle. Oh la vache. Oh mon dieu, j'en veux plus. Mais bon, je suis, après je suis descendu parce qu'il n'y avait pas de. Il n'y avait pas de. De courant d'air. Ouais. Courant d'air froid. Let's go, let's go. Oh la vache. Je suis en train de... Comment dire? Oh. De vaciller entre... Je m'amuse, je déteste ma vie, c'est fun. C'est horrible, voilà quoi. Bon, au moins il fait chaud. Ah, la tour de Thémis, déesse du droit, de la famille et de l'équité. Et accessoirement mon ex-épouse. Elle voulait tout faire selon les règles. Impossible de la tromper, alors je m'en suis débarrassé. Mais elle, je ne l'ai pas tuée. Pour l'instant. Bah, c'est bien. Où est-ce que je vais? Monte! Désolé. Non mais y a pas, y a plus de feu. Y a du feu. Monte, monte, monte. Oh mon dieu, monte. Wesk. Putain de ta mère. Pas par là. Oh putain. Oh putain. Eh ben putain, ils sont sympas, hein. Ils sont vraiment sympas, hein. Oh la vache. On s'est loupé tellement de fois, mais on y est arrivé. Hephaïstos, là. Est aussi la déesse. Que la foudre de mon marteau réchauffe ton chemin. Merci. Donc en fait, on a pu juste... Cette femme pouvait prédire l'avenir, elle voyait tout, entendait tout. Tu imagines, toi, d'avoir raté quelque chose avant même d'avoir essayé? Une horreur. J'en fais encore des cauchemars. J'avoue que... Donc ouais, on appuie sur les boutons et ça fait... ça donne le signe à Hephaïstos, en fait. Bon, let's go. Bon, on va bifurquer sur la gauche, il y a des trucs. Et ciao. T'es pas tombé. Okay. Ah merde. Je crois qu'on va devoir faire cette partie maintenant. Aïe 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 aïe. Oh!
C'est derrière moi, les bleus. Bougez. Oh mon dieu. Pour être franc, je suis un peu jaloux des mortels pétrifiés. Ouais, vu ce que vous vous tapez, oui, non, dans un sens, je peux comprendre. Mortel pétrifié, j'ai pas rien à faire. Oui, enfin, après, moi, je veux bien gravir la montagne, mais encore une fois. Oh. Encore une fois, est-ce que on va pouvoir... Donc on va prendre le chemin pour le moment. On sera en hauteur, on verra. Ben voilà, bien ce que je pensais. Ah. Piu piu. Merde, mais il y a 3. What the fuck? C'est chaud, 3. C'est tout petit. En haut. Prends ton temps, c'est pas comme si ton énergie elle descendait à la vitesse de l'éclair. Il y a plein de cailloux. J'ai eu encore une torche. Je pense qu'il nous faut des cailloux ici. Tout porte à croire que... Ok, 2-2. C'est à moi. Est bon. Ça me rappelle Lara Croft, je sais pas pourquoi. Ça me rappelle Tomb Raider, c'était le 2 là dans le froid, je crois. En Sibérie ou je sais plus quoi. Les remakes, hein, je sais pas. Mais tu vas rester là toi. Enfin, peut-être que ma statue suffit avec le gros rocher. Oh merde, ouais. J'ai vu mon truc un peu tard. Cool. L'astron du dieu d'or. Ok. Parce que c'est pas un attrape couillon ça.
ça a pas l'air. Bon, maintenant, on va reprendre le chemin. Oh. On va reprendre le chemin normal. Bonjour. Ah. Oh là là. J'essaye de cibler les autres, mais j'y arrive pas, ils sont trop loin. Ça par contre c'est relou. Oh, bravo. Parfait. Alors, téléphone. Alors, là c'est 2, 2, 4, 2, 2, 4, 2, 3, 2, 2, 4, 2, 3. Ok, très bien. Nickel, ça en fait 2. On peut jouer. On peut... Le châtiment d'Atlas. On peut se téléporter au châtiment d'Atlas. Hmm. On va... Je sais pas s'il en manque ou si on les a toutes, en fait. Attends, là, on y était, là. Ouais, non, je crois que ça, c'est le temple de... Machin, là, non? Avec... avec les boules. Oui, oui, il y a les boules, j'ai vu, vite fait. En, en bas, en bas. C'était avec les boules. Ok. Alors du coup, et là, c'était derrière chez nous, ça. Ça veut strictement rien dire ce que je viens de dire. Non, c'est derrière où on était. Où c'est que je me suis pris la tête, là, avec Hephaïstos. Ok, donc du coup, le chemin, il continue où? De là, si c'est juste pour... Là-haut, là-haut? Ouais, je pense que ça doit être là-haut. On y arrive, on y arrive. Ok. Je pense qu'on est bon. Ouais, ça c'est la montagne, ok. On est bon, on est bon, on est bon. Putain. Tu vas me dire que son frère... il a réussi à faire ça aussi ? S'il a réussi à faire ça, il est quand même doué, hein, j'avoue que... J'avoue qu'il est quand même un peu doué. Oh mon dieu, où est-ce qu'on est ? Ah mais faut être d'une débilité pour faire des temples dans une montagne comme ça quoi. Mais alors là... Attends, j'ai détecté un truc. Aïe aïe aïe. Ah. Table un peu grande. Ah mais c'est pas la table des dieux. Là t'as une flèche. Là t'as une pomme. Là c'est quoi ça? Des chaînes. Un marteau. Bah marteau je dirais Phaistos. Après la pomme Aphrodite. Des chaînes. Je sais pas du tout.
La flèche, c'est peut-être Athéna. Les chaînes, Arès, du coup. Oui, ça paraît bon. Ça paraît bon. Bueno. Ah, il y a plein de puzzles partout. Qu'est-ce qui se passe? Pas faire chien de jeu. Alors, oh là là. Full puzzle, yes. Full puzzle. Ok, faut une boule. Cristal. Est-ce que il faut reprendre la boue? Je pense pas, je pense qu'on peut la laisser, j'imagine. Là, j'imagine que c'est la même chose. Ouais. La même chose, donc il nous en faut une autre. Là, il y a de là-bas, il y a des bâtiments. J'ai du mal à voir de loin avec cette neige qui tombe là constamment. Hop, ça fait 3. C'est où le symbole là? Plus que 2. Alors, où est-ce que ça peut être? Ouais, non. Non, mais sans déconner, quoi. Non. Je refuse. Ça va pas la tête. Il faut déjà allumer tous les feux, en plus. Ça va pas la tête. Là. Il y avait un coffre derrière moi? Non, c'est une boîte. Pourquoi j'aurais besoin d'une boîte? J'ai compris. Je vais mettre la boîte devant le grillage. Devant la grille. C'est là. Bon, au moins on a le temps, hein. Il y a toujours la musique, hein. Ah ça y est, je crois que ça arrive à la fin là, quand il y a tintin. Tada. Je peux pas sauter avec.
Ah, c'est épique, hein, de... Non, mais laisse-moi passer, par contre. Merci. C'est épique de trouver des boules avec ce musique. Plus qu'une, où est-ce que tu pourrais être? Prendre de la hauteur. On a trouvé trois là. Une, deux là. Où est-ce que tu pourrais être? Après la course, on peut pas la faire parce qu'il nous faut... La course, on peut pas la faire parce qu'il faut qu'on allume, je pense. Toi, tu fais quoi, solo, là? C'est tout gelé à partir d'ici. Ah! Là. Ah, voilà. Après, si on est perdu, qu'on n'arrive pas à trouver les boules, par exemple, on peut toujours aller dans les options et mettre l'option en fait pour les montrer. Hein. Je vais montrer ça. C'est vachement bien. Hein. Donc voilà, on peut toujours continuer si on a un problème avec ça. Quelqu'un? La constellation de la justice. Ouais, quelqu'un peut m'allumer les torches? Elles symbolisent ton pouvoir de juger leurs actes, ô Zeus. Ça nous rajeunit pas, tout ça. Tu te rappelles quand je les ai créés? Ah. Au début, les titans arpentaient la terre. Toi, moi et les autres dieux les avons vaincus. C'était le bon temps, Zeus. Oui, c'est vrai. À l'époque, c'était sans danger de créer des mortels. J'ai commencé par essayer de les faire en or. Ils étaient parfaits. Tellement que c'était pas drôle. Alors je les ai supprimés. Ensuite... J'ai essayé l'argent, mais ils étaient tellement bêtes qu'ils se faisaient mal. Alors j'ai utilisé le laiton. Ça a été une terrible erreur. Ils se sont entretués jusqu'à ce qu'il n'en reste aucun. Après, il y a eu la quatrième race, les héros. Ils étaient vraiment bien, eux. C'était pas des dieux, mais je les ai adorés. T'avais utilisé quoi comme ingrédient? Ah bah c'est bien le souci. J'ai paumé la recette. Ce qui nous amène au présent. Le cinquième âge. Je les ai fabriqués en fer. Les meilleurs de tous. Si tu le crois, tant mieux pour toi. Si tu n'avais pas volé le feu aux dieux pour le donner aux mortels, tu n'en serais pas là. Tu n'aurais pas fini enchaîné à un... Tu es conscient que tu peux changer cela, n'est-ce pas? C'est toi qui m'as mis ici. Dès le début, les mortels en fer ont été un problème. Ça a empiré à chaque génération, on m'y reprendra plus. Je pense déjà employer du jus de raisin pour le sixième âge. Ou de l'huile d'olive. Tout le monde aime ça. Quel est le problème avec les mortels en fer exactement? La décadence, l'égoïsme. En plus, ils ne se lavent jamais les mains. Ils recherchent le plaisir et le pouvoir, et ils rejettent ou imposent l'autorité. Ils sont trop extrêmes et trop brouillons. Ton portrait craché, dis donc. Hé, c'est pas faux.
Il avait l'air heureux en plus quand ils ont dit hey, c'est pas faux. Avant Zeus, le monde n'était que chaos et souffrance. C'est toujours le cas d'ailleurs. Je n'ai rien fait du tout. Ouais, c'est vrai. Aïe aïe aïe, j'étais sérieux, sans déconner. Bon, on a 11 potions. Je crois que c'était un mauvais commencement déjà. Bon, au moins il y a du feu partout. Et ça commence le problème. Oh, sans déconner. Je fais comment là? Oh la conne. Non, bonne quête. Voilà. On peut suicide? Même pas. Ah, quoique. Voilà. Ça, c'est un peu pute, hein, le coup du... Faut déployer ses ailes pour monter parce qu'il y a un vent ascendant. Puis, en fait, il y a du froid aussi en même temps. Tout petit peu pute. Pas là, c'est après. Putain, je... Oh vache, elle va à l'envers, le bordel de merde. Ok, go. Là. Je sens déjà l'énergie négative qui émane de celle-là. Ne me dis rien. C'est la tour des reins. Ce que j'ai pu être amoureux d'elle, Prométhée. Un vrai tourtereau. Comme elle aimait les animaux, je me suis changé en tourtereau pour qu'elle dise oui. Et quand elle a dit non, eh ben... Je l'ai amenée par la honte à m'épouser. Et depuis, c'est moi qui lui fais honte. Notamment en la trompant. Ce qui revient à la priver de son bonheur. Je trompe tout le monde. Surtout moi-même. En réalité... C'est la tour des moines. Oh. Oui, bon. Ça va prendre un coup de fil. Ça m'apprendra à me confier. Bon, on y est arrivé. Quelle merde. Festos. À moi. Qu'un éclair de passion embrase terrain. Ah. Enfin, ton terrain. Quoi? Merci, Aphrodite. Ah, terrain, peut-être le terrain. C'est ça qu'elle voulait dire? Un peu bizarre, ces dieux, quand même. Alors. Bon, on y arrive. Oh, mon dieu. Ça fait pas de froid. Hein. Là, c'est la mort. Hein. Attends, parce que là moi je vois le chemin à notre droite là. Oh. Ouf. J'ai un peu le pressentiment qu'il faut aller devant. Enfin notre but c'est d'aller devant, là. Mais je me dis peut-être qu'on va découvrir d'autres objets à récupérer si on va à droite. Allons à droite.
Ah ah. Quand vous pensez que c'est le bon chemin, bah faut pas y aller. Voilà. Oh, pardon. Demi-tour. C'est bon, on avance. Ah la vache. Il me paraît tellement long cet épisode. Non, attends. Ayant rejoint le sommet, oh. Phoenix s'arrêta pour admirer la vue. Mais qu'est-ce que tu fais? Remue-toi! Ah bah, c'est quand même joli, hein. Quand même joli, ça va. J'ai réussi. Alors, c'est qui la bosse maintenant, Ligueron ? Je suis sûr qu'il va nous trahir. T'es obligé. Hé, hey, Allen de Cerbère ! Waouh. As-tu volé le nectar, petit ? Oui. J'ai abattu les colombes qu'il apportait sur la montagne. Comme tu l'avais demandé, Typhon. Qu'est-ce que... Bien. Le nectar qui accorde la vie aux dieux et les corps qui coulent dans leurs veines, verse-les dans le chaudron. Licor ? Le sang des dieux. Dépêche-toi, petit. Qu'est-ce qu'il m'agace avec ces petits ? Maintenant, le venin de l'hydre qui fit vaciller Héraclès et l'eau du Styx. Le fleuve le plus meurtrier des enfers. Recule. Verse la tamant pour tout contenir. Doucement. Un truc que je... Parce qu'il a des... Il a des morceaux. Maintenant, apporte-moi la vie. Il a des parties genre de l'hydre et tout ça, apparemment. Ce sera mon trône quand on aura tué les dieux. J'aurais fait un DLC avec lui, moi. Dès que ce poison leur aura imposé le repos éternel. Rien ne résiste à son noir baiser. Alors voilà le plan de Typhon. Les tuer tous. Tu vas faire un DLC où on l'incarne en fait. On est pas bien là. Ligueron. Je sens que ça va me plaire. Oh, petite sœur, comment es-tu arrivée jusqu'ici? J'ai tout entendu. Regarde-moi. Est-ce que je ne mérite pas de devenir un dieu? Et je ferai bien sûr de toi une déesse. Déesse des contes, pour que tu m'immortalises. T'as compris? Tu n'as aucune idée de ce que tu fais. Tu ne peux pas donner ce poison à Typhon. Arrête de t'inquiéter, petite sœur. Tout va bien. Tu n'auras pas à faire de mal aux dieux, c'est promis. Je m'en chargerai. Aux enfers, le passé. Vive la nouveauté! Non, je ne te laisserai pas faire. Avec tes épaules de serpent? Exactement, avec mes épaules. Ah, mais c'est qu'elle est sérieuse. Ça me gêne de devoir t'humilier, mais tu ne me laisses pas le choix. Wow, wow, wow. Voyons ce que tu sais faire. Ligueron. Ok, vas-y, montre-moi ce que tu sais faire. Cool, pas mal. Eh, hey, je l'ai cette épée. Ok, le dernier coup il est rouge. À mon tour.
Ok. Moi j'ai ça aussi. Wow. Je te l'ai dit, je me suis entraîné. Je vais arrêter de retenir mes coups alors. Je te le conseille. Il y a des conseils qu'on Oh oui. On n'est pas bien là? Il va dire ça toute la journée, cet abruti. Allez, en avant, Phoenix! Vas-y, qu'est-ce que tu fais d'autre? Wow, ok. Marche. Moi qui gagne. On peut les bloquer ou pas? Non, on peut pas les bloquer. Phoenix. C'est ce que je suis pour toi? Une plaisanterie? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Toute ma vie, j'ai voulu te ressembler. J'aurais fait n'importe quoi pour toi, mais tu ne t'es jamais tourné vers moi. Comme si je n'existais pas. Alors, qui rigole maintenant? Wow. Qu'est-ce que c'est que ça? Wow. Ok, c'est l'heure. Qui a vaincu tout seul un millier de Spartiates et qui a coulé en une seule nuit tout leur navire. Comparé à tous tes exploits, ce n'est rien du tout. Non, je n'ai jamais fait tout ça. Comment? Quoi? Prométhée, explique-moi. Je me suis caché, d'accord? Il y a eu une tempête. Tous les navires ont coulé et les autres soldats sont morts. J'ai tout inventé. Tu es contente? Rien n'était vrai? Rien du tout. C'est toi. C'est toi qui m'as appris comment faire. Tu es une conteuse si douée, si vibrante, qu'on ne peut s'empêcher de croire ce que tu dis. Tu es si passionnée. Après tout, raconter des histoires, c'est un don familial. Je n'appelle pas ça raconter des histoires. Tu as menti, c'est tout. Oh, tout dépend du point de vue. Quoi qu'il en soit, une fois devenu Dieu, je rendrai tout cela vrai. Personne n'en saura rien. Les Guirons. Typhon, non! Arrête! Tu fais une terrible erreur! Non, 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 non. Et s'il utilise cette potion contre ma famille, il faut que tu la lui prennes, Phoenix. Ouais. Toile d'araignée, nouvelle quête. Bon, encore une fois, nos potions sont plus fortes que n'importe quoi. J'ai envie de dire hein, que tout est n'importe quoi. Alors quand on est boosté à la potion, on laisse tomber quoi. Alors est-ce que ça va être la fin? Alors est-ce qu'on peut se téléporter là? Attention, n'approchez de Typhon que lorsque votre personnage sera totalement prêt à attraper Ligueron. D'accord, donc je crois que c'est la fin. On fait la fin.
pourquoi pas. Et on finira après tout le reste. Enfin, si on finit après le reste, en fait. Ah, j'aurais dû sauvegarder. Merde. Mince. Eh, on est au Tartare. Enfin, oui, c'est pas étonnant, oui. Ah, mais maintenant on peut. Oui, on est au centre en fait, on est à côté de la montagne. Okay. Putain, Spider-Man. Quoi. Attends. Je n'arrive pas à le croire. Ne jamais se retourner quand quelqu'un nous montre quelque chose derrière nous. C'est l'enfance de l'art, une règle de base, comme le prélavage, ou toujours vérifier qu'on n'avale pas une pierre quand on dévore un enfant. Très juste, tout ça. Porte du Tartare, je vois un peu. On peut toujours se... Oui, on peut toujours. Alors, je vais juste sauvegarder, juste au cas où. Après ça dépend, faut voir, en théorie on aurait encore 10 minutes de dans l'épisode, donc est-ce que on finit. Par contre il nous faut des potions. Hein. Chiant du tout, c'est bien. Ou alors on arrête là et on continuera la prochaine fois. Je pense qu'on va faire ça. Mais du coup maintenant on peut gravir la montagne. On peut même s'approcher de la montagne. En fait. Parce qu'avant on pouvait pas. Oh putain, c'est méga loin. C'est méga loin. C'est méga chiant, surtout. Non mais oh. Attends, on s'est tapé la... Taper le pic. Qu'est-ce que c'est que ça, le truc qui va... Ouais, non mais on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Par contre, j'aurais bien voulu identifier le Tartare. Apparemment, on peut pas. Est-ce qu'il y a des trucs con? Pour avoir la carte en fait, enfin identifier, vous avez compris ce que je veux dire. Genre dévoiler la carte du Tartare. Genre est-ce qu'on peut aller là-bas? On a aussi deux. Oh merde. On a aussi deux coffres de la nuit là à trouver. Oh putain, je joue que dalle. Ah, au-dessus, ça vient d'au-dessus, je crois. Mais... Yes. Cool. On a deux livres, deux coffres de la nuit pour récupérer notre nouvelle couleur. Ouh, c'est joli ça. Votre corps semble soudain ne plus vous appartenir. On dit que le sombre rôdeur du Tartare emportait cette terrifiante armure. Est-ce qu'on aurait... Une autre quête. On n'a pas d'autre quête. Allez, on rentre. On va parler un peu aux dieux, parce qu'ils vont sûrement dire des choses. Et puis après, on va voir. Genre, chacun, ils vont peut-être dire quelque chose. Oh, machin. Qu'est-ce que ce sera, Phoenix ? Bah, rien du tout.
Ah, il nous en manque deux. C'est bête. Saison de la chasse. Je sais des ours et des lions. Potion. Ah, les potions énergétiques, elles y sont passées hein, pendant la montée du pic. Hein. C'est la galère, mais encore heureux qu'on a, on a de la réserve. Hein. Putain, sans les potions, mais laisse tomber, c'est une catastrophe en fait. Alors vas-y, est-ce que vous avez des choses à dire ? Bip, bop, bip, syntaxe erreur. Sérieux ? Vous avez strictement rien du tout à dire ? Qu'est-ce que fabrique Hermès ici toute la journée ? Ah putain. Ça, c'est un peu con, ça. Bah ben ça, c'est un peu con, dis-moi. Bon, ben du coup, on va s'arrêter là. Bah ben, la prochaine fois, qu'est-ce qu'on fait? On retourne sur le pic. S'il pouvait enlever le froid, honnêtement, ça serait bien. Bon, après, maintenant, on a plusieurs endroits... plusieurs endroits qui sont où on peut se téléporter, donc c'est bien, c'est bien. On peut même se téléporter au trône de Zeus en fait, donc tout en haut et directement descendre sur bah, où on veut quoi. Donc à la limite ça c'est cool. Donc ouais, on pourra peut-être faire un peu de pic du roi genre la première heure et après on ira finir le jeu, je dirais. Pourvu que ce soit pas trop long, mes enfants sont en danger. Z. Quelle idée à montagne de typhon. Attention, n'approchez de typhon que lorsque votre personnage sera totalement prêt. Phoenix fonça sur l'Aiguiron afin de l'empêcher de remettre la potion déicide à typhon. À la prochaine, portez-vous bien. Ciao, ciao.